Salut, salut, une nouvelle petite vidéo par rapport au dernier trade que j'ai réalisé avec la stratégie de day trading PXTR. Donc pour rappel, j'avais effectué un premier bilan vidéo après 3 semaines de trading. C'était le 20 novembre 2018. Donc je vous avais partagé les différents trades que j'ai réalisés. Il me semble qu'il y en avait 11. Et ces 11 trades m'ont permis de générer un profit de 5 805 $. Donc grosso modo en l'espace de 3 semaines. Je vous mets le lien de cette vidéo dans la description et je vous invite à y jeter un œil. Et donc après ce bilan, il me restait 1 semaine de trading et j'ai réalisé 3 trades supplémentaires. Donc c'était clairement la folie puisque j'ai plus que doublé mes gains des 3 premières semaines juste en l'espace de 3 trades. Donc je vais vous expliquer tout ça, notamment sur les graphiques. Donc si vous voyez un premier trade réalisé le 22 novembre sur le GBP/USD, pour un gain de 4 365 $. Donc ça, c'est le plus gros trade de l'année, enfin même le plus gros trade que j'ai jamais réalisé en day trading. C'est tout simplement incroyable. Vous savez que je trade avec 450 $ de risque par trade et un stop loss en général qui est de 10 pips, soit à 45 $ le pips. Donc ici, bah, j'ai risqué 10 pips et j'ai empoché 97 pips sur ce seul trade. Ce qui explique pourquoi ben, on atteint plus de 4 000 $ avec un seul trade. Donc ça m'est jamais arrivé, c'est le plus gros trade que j'ai réalisé en day trading et avec la stratégie PXTR. Et j'espère que vous avez également saisi ce trade, même si vous ne risquez pas plusieurs centaines de dollars par trade. Rien qu'un trade à 1 € le point, ben, ça fait quand même quasiment 100 € de gagner sur ce seul trade. Donc on va regarder ce que ça donne sur le graphique. Donc vous avez le graphique du GBP/USD à gauche de mon écran. Donc la stratégie PXTR, c'est une stratégie qui vise à trader les cassures de range. Donc ici, j'ai repéré un petit range grâce à ma stratégie et mes indicateurs techniques. Et si vous voulez, j'ai simplement tradé la cassure de ce range vers 11 h. Et vous pouvez voir la montée du cours qui s'en est suivi. On a eu une hausse de plus de 150 pips. Ça a été vraiment brutal au fur et à mesure que le cours évoluait dans la partie supérieure du graphique, donc ça a été très vite. Bah moi, je décalais mon stop loss petit à petit et comme ça, bah, j'ai pu saisir un profit de 97 pips. Donc le second trade a eu lieu sur l'euro-USD lors de la journée du 28 novembre. Donc là aussi, on va regarder ce que ça donne sur le graphique. Cette fois-ci, j'ai subi une perte de 225 $. Donc c'était ici. Donc si vous voulez, on a eu un petit range le matin. J'ai tradé la cassure de ce range à la baisse. Donc comme vous pouvez le voir, ben, le cours a sensiblement évolué dans la partie inférieure du graphique avant de remonter. Et moi, comme j'ai décalé mon stop loss assez rapidement, ben, je me suis fait sauter avec 5 pips de perte, donc sur un stop loss de 10 pips. Puis le troisième trade également sur le GBP/USD, il a eu lieu lors du 29 novembre. J'avais repéré une sorte de range en me basant sur la stratégie PXTR. Et j'ai tout simplement tradé la cassure de ce range. Là aussi, ça a été un très beau trade. Je crois que j'ai pris 47 pips de profit sur ce seul trade. Donc ce qui me fait un profit de 2 000 $. Donc là encore, c'est assez rare que je gagne autant sur un trade. Ça arrive, mais très rarement. Vous pouvez voir dans mon précédent historique de trading, bah, les trades typiques que je réalise sur le marché du Forex. Vous constaterez que généralement, je gagne entre 500 et 1 000 $ par trade, ce qui correspond grosso modo à des gains qui vont osciller entre 10, 20, voire 30 pips. Par trade, et gagner du 50 ou du 100 pips par trade, ça reste extrêmement rare. Donc j'avoue que j'ai été un peu chanceux de pouvoir saisir ces différents trades, et en particulier les deux trades qui m'ont permis d'empocher de plus de 6 000 $. Une journée à 6 000 $, ça m'est jamais arrivé, donc je suis très content et je vais une nouvelle fois procéder à mon retrait mensuel. Donc en début de mois, j'ai démarré avec un capital de 20 000 $, comme en chaque début de mois. Et là, le capital actuel est de 32 035 $, ce qui fait un peu plus de 12 000 $ de profit lors de ce mois de novembre 2018. Donc, ce qui est marrant, c'est que j'avais réalisé un article le mois dernier dans lequel j'expliquais justement avoir réalisé mon meilleur mois de l'année, c'était au mois d'octobre. J'avais gagné 11 475 $ et là, je viens de battre mon record avec un gain qui dépasse les 12 000 $ sur le mois.
Donc franchement, je m'attendais pas du tout à ça. Et c'est vraiment ce trade qui a créé la surprise. Puisque sans ce trade, ben, j'en serais peut-être à autour de 7 000-8 000 $ de profit sur le mois de novembre. Donc la prochaine vidéo que je vais réaliser, ça sera probablement une vidéo pour vous montrer le retrait. J'avais déjà fait un bilan de mes 4 derniers retraits. On en était à 27 000 € sur les 4 derniers retraits que j'ai effectués. Donc si vous voulez, je vous récapitulerai ça une nouvelle fois lors de la prochaine vidéo. Et ensuite, eh bien, je vais continuer les bilans durant le mois de décembre. Puis on regardera ce que ça donne au niveau de mes statistiques sur toute l'année 2018 par rapport à mon trading avec la stratégie PXTR. Donc je vous rappelle qu'il y a une formation que j'ai réalisée, c'est la formation de day trading PXTR. Donc c'est orienté scalping, day trading. Hein. Vous pouvez voir sur mes historiques que mes trades ne durent que, généralement ça dure moins d'une heure et que je les prends aussi quasiment tous le matin. C'est pour ça également que je disais que j'étais assez chanceux puisque ce trade là je l'ai pris à 11h10. À une heure près, ben, je l'aurais loupé et j'aurais pas généré autant d'argent sur le mois de novembre. Enfin bref, vous pouvez profiter de la formation que j'ai réalisée au sujet de la stratégie PXTR. C'est une formation qui normalement est mise en vente plusieurs centaines d'euros et pour le moment, elle est proposée gratuitement lorsque vous rejoignez un broker partenaire de Forexagon. Donc je vous mets le lien également dans la description. Il y a toutes les conditions pour pouvoir profiter gratuitement de PXTR. La formation va bientôt être mise en vente et je vais certainement réaliser une nouvelle formation en début d'année 2019. Donc ça portera sur un autre système de trading. Donc si vous voulez profiter gratuitement de la formation à la stratégie PXTR, bah c'est maintenant. Ne passez pas à côté et passez à l'action pour en bénéficier. Voilà, cette petite vidéo est terminée. N'hésitez pas à poser vos questions sur la boîte email de Forexagon ou dans les commentaires. Je vous souhaite beaucoup de profit pour le mois de décembre, notamment à ceux qui ont déjà bénéficié de la formation PXTR. Et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao !